si le graphiste de l'UDC bossait pour cette émission, l'affiche aurait ressemblé à ça. Et si le réalisateur de l'UDC bossait pour 52 minutes, voilà ce que serait le prochain sketch. Serrons la vis. Céline Amaudru, talent incontesté des écrans romans. Elle est aussi vice-présidente de l'UDC Suisse et conseillère nationale à Berne depuis 10 ans. Tout a commencé là, en 1979. Céline Amaudru le reconnaît volontiers, elle a eu une enfance dorée. D'école privée, en cours d'équitation. Comme ses parents, elle étudie le droit. Son métier, gestionnaire de fortune. Elle bosse beaucoup, mais elle garde du temps pour s'occuper de sa fortune à elle. Et d'après le magazine Bilanz en 2017, Céline Amaudru, c'est la parlementaire la plus riche de Suisse romande. Plus de 10 millions de francs d'actifs. Céline Amaudru et sa famille ont investi dans la farine vaudoise. Bah ouais, quand vous rongez votre pain sec, Céline Amaudru se fait un peu de blé. Aujourd'hui, nos personnes âgées se font voler leurs sacs dans les supermarchés. Et pourtant, que l'État font pour eux? Rien. Et puisque l'État ne font rien, elles se lancent en politique. Elle se bat d'abord pour le secret bancaire, contre l'Europe, pour les chiens. Mais c'est une des seules à oser dénoncer les cochons qui traînent dans le palais fédéral. J'ai moi-même été victime de gestes inappropriés récemment. Les violences contre les femmes, elle s'en empare, quitte parfois à heurter les mâles dominants de son parti. Quand on lui dit Nobilag, elle répond oui. Même si se faire inviter à la RTS, parfois c'est sympa, ça permet de parler des vrais problèmes, comme Genève plongée dans l'insécurité. Alors que celle qui veut vraiment du mal à Céline Amaudru, c'est sa jument. Elle lui a pété deux fois le nez. Faut apprendre à tout de suite remettre le pied à l'étrier. Et quand Céline Amaudru a affaire à la police, c'est elle qui est arrêtée. Quand elle rentre en voiture après avoir bu une quantité indéterminée de champagne. Depuis, la gueule de bois est passée, la carrière même pas entachée. Je suis très carriériste. Aujourd'hui, elle vit d'eau fraîche avec le passionné Michael qu'elle vient d'épouser. Céline, elle aime la haute couture. Les bonnets qui sont moches mais qui durent longtemps. Elle n'a pas peur du Covid parce qu'au pire, elle sait où se moucher. Comment commence la deuxième strophe du cantique suisse? C'est ce qu'on appelle un blanc. Non mais les cantiques, c'est naze. Franchement, Céline, parfois. Vous ne rêvez pas d'un métier où vous seriez vraiment adulée ?